Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio Arc-en-Ciel, chers frères et sœurs de Jésus et mon guide, et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Sabine avec vous aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2024. Nous fêtons les Ulrich, bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom, et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Invoquons ensemble l'Esprit Saint pour qu'il descende sur nous, et nous donne l'intelligence de l'Écriture pour comprendre sa parole. Amen. Toi, le bon des cœurs brisés, viens demeurer en moi. Esprit de Dieu créateur, Esprit de Jésus sauveur, amour du Père et du Fils, viens. Esprit Saint en nos cœurs, toi notre défenseur, toi l'ami des pauvres de cœur, toi qui laves les cœurs souillés, viens demeurer en moi. Esprit de Dieu créateur, Esprit de Jésus sauveur, amour du Père et du Fils, viens, 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 Esprit Saint en nos cœurs. Toi la force de nos combats, toi le souffle de notre foi, toi l'espoir des cœurs abattus, viens demeurer en moi. Esprit de Dieu créateur, Esprit de Jésus sauveur, amour du Père et du Fils, viens, 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 Esprit Saint en nos cœurs. L'artisan de paix, toi le lien d'unité, toi l'amour dans nos cœurs, viens demeurer en moi. Esprit de Dieu créateur, Esprit de Jésus sauveur,
Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels. Les stèles, il les détruira. Maintenant, Israël va dire « Nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous ?» Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes, « Cachez-nous !» et aux collines, « Tombez sur nous !» Faites des semailles de justice. Récoltez une moisson de fidélité. Défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la lecture de ce jour, on peut constater qu'Israël porte du fruit pour lui-même. C'est l'occasion de nous demander à quel usage nous faisons servir ce que le Seigneur a pu nous confier. Il nous a donné la force, l'intelligence, la mémoire, les loisirs, les biens matériels, etc. Sommes-nous à son service ou bien à la satisfaction de nos convoitises? Dans cette lecture, le Seigneur dit qu'il va tout détruire. La disparition du veau d'or de Béthel, les mois des sacrificateurs idolâtres et celui du peuple. Puis, la destruction de Samarie et la fin de son dernier roi, qui porte lui aussi le nom d'Osée. Mais nous y trouvons en outre une allusion à la détresse d'Israël, traversant la détresse finale sans précédent. Il est écrit dans le psaume 30, verset 5, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » On peut lire aussi dans Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » N'est-il pas temps encore de semer en justice pour moissonner selon la piété, de défricher un terrain neuf, de recommencer une vie produite d'une nouvelle naissance ? Le Seigneur s'adresse solennellement à tous ceux qui remettent à plus tard la question de leur salut. C'est le temps pour chercher l'Éternel. Demain, vous ne le trouverez plus. On peut également lire en Isaïe, « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche, que l'homme méchant abandonne son chemin, l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. » Observons l'ordre des étapes de la grâce. Nous devons d'abord ressentir Dieu dans notre propre cœur. Nous devons invoquer l'Esprit-Saint, puis prier. Abandonnons nos péchés, toutes nos mauvaises voies et nos mauvaises pensées. C'est une condition indispensable. Vient ensuite la rencontre d'une âme pardonnée avec Dieu, et ensuite l'appréciation du Seigneur comme notre propre Dieu d'alliance, puis la douceur de cet amour parfait et du pardon du Père. Remarquons qu'à chaque étape, il y a une opportunité de trouver Dieu, et ces opportunités sont limitées. Nous devons attendre des réponses à la prière lorsque nous abandonnons les péchés extérieurs, ce qui est facile à faire, et le péché intérieur qui est un peu plus difficile. Qu'est-ce que la proximité? Dieu est-il toujours proche? Le Saint-Esprit fait la proximité. Il nous unit à Dieu. Cette présence du Saint-Esprit dans l'âme est la proximité. Si le Saint-Esprit nous quittait, nous ne trouverions jamais Dieu. La vie dans l'Esprit serait terminée, d'où l'emphase énorme des mots « Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé ». Comment le méchant peut-il abandonner son chemin? Par la prière, par l'occupation, en remplissant l'esprit de ce qui est bon, en ayant plus du Saint-Esprit,
par des plaisirs nouveaux et meilleurs, des influences plus dignes, en aimant les pensées constantes de Jésus. Cela conduit à abandonner les mauvais chemins. Dieu saint, Dieu d'amour, avec Paul nous te disons, ta grâce nous suffit, car ta puissance donne toute sa mesure dans nos faiblesses. Amen. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, notre séquence se termine. Je vous remercie d'avoir prié avec moi. Passez une journée bénie dans la présence du Saint-Esprit. Que Dieu vous comble de grâce. Et je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Grâce infinie de nos
Duh.